Ici, c'est un dû braver des montagnes de neige. Mais raison de plus pour louer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, parce que ça nous réchauffe. Amen. Juste la force d'acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous et
à toutes. Amen. Amen. Je vais vous prier de prendre place. Par tout le monde va s'asseoir. Il y a assez de place plus haut de Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Je suis très très content. Amen. Mes deux garçons m'ont accompagné aujourd'hui. Amen. 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 Mes frères, si vous pouvez juste vous donner votre nom pour que tout le monde sache comment vous êtes. Juste pour vous présenter. Amen. Frère Roger, amen. Moi, c'est Fulgence Ara. Merci, le frère Fulgence. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Pour le frère Roger, le frère Fulgence. Et pour chacun de nous, pour nos enfants, nous voulons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Ils ne sont pas gênés, le froid ne les arrête pas. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Donc, comme d'habitude, vous savez, le Seigneur nous aime. Il va toujours nous donner une parole très puissante. Une parole qui va venir faire la différence dans nos vies. Amen. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous rencontre. Que Dieu nous touche. Que Dieu vienne nous trouver là où nous sommes. Que Dieu vienne faire quelque chose. Alléluia. Je sens sa présence en ce lieu. Je sens que nous avons besoin de lui. Alléluia. Et je sais, par son amour, par ses grandes compassions, par sa miséricorde, nous avons ce soir. Ce soir même, Dieu va bénir quelqu'un, Dieu va guérir quelqu'un, Dieu va délivrer quelqu'un, Dieu va restaurer quelqu'un ce soir. En ce lieu, au nom de Dieu, Alléluia. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler des anges? Tout enfant, tout le monde a déjà entendu parler des anges. Amen. Qu'est-ce que vous connaissez des anges? On sait que les anges sont puissants. Amen. On sait que les anges ont beaucoup d'autorité. Amen. Et quand les anges se manifestent, ils sont là pour faire des miracles. Amen. Ils viennent accomplir les choses que Dieu leur ordonne de faire. La Bible déclare que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour rendre ministère aux héritiers du salut. Amen. Est-ce qu'il y a des héritiers du salut ici? Amen. Amen. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais nous voulons marcher avec le Seigneur en nous rappelant toujours que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Mais de quoi nous a-t-il sauvés? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des problèmes dans leur vie en ce moment? Chacun a ses problèmes à son niveau. Il n'y a aucune honte d'avoir les problèmes. Ce n'est pas toi le problème. Amen. Écoute, s'il fait froid, tu as honte parce qu'il fait froid. Amen. C'est le froid qui te touche et qui a de l'effet sur toi. Tu as froid parce qu'il fait froid. Tu as des problèmes parce qu'il y a des problèmes. Amen. Peu importe que ce soit toi qui les ai cherchés ou pas, tu es dedans et tu veux juste sortir. Amen. Et des fois, Dieu va envoyer un ange pour te sortir de tes problèmes.
Et devine quoi? Un autre problème vient. Il peut encore envoyer un ange. Ou il peut envoyer une personne pour te sortir de ce problème. Tu peux avoir besoin de la guérison. Il envoie un ange ou il envoie un bon médecin qui connaît comment. Qu'est-ce qu'il faut te donner pour que tu guérisses? Et devine quoi? Tu prends le traitement, tu suis le traitement et tu es guéri. Ou alors on peut tout simplement prier pour toi et Dieu agit miraculeusement, tu guéris. Mais après ça encore, la vie ne s'arrête pas là. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà prié et dit, Seigneur, je te demande une seule chose. Après ça, si tu veux, ne me donnes plus jamais rien. La seule et unique chose, Seigneur, vraiment fais telle, telle chose pour moi. Après ça, c'est correct. Même si tu ne m'exauces plus jamais, même si tu ne fais plus jamais rien pour moi, je serai correct. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ce genre de prière à Dieu? Tellement ils sont désespérés dans cette situation, qu'ils sont convaincus que c'est la situation du siècle, c'est le problème du siècle, ils ne connaîtront plus jamais quelque chose d'aussi mauvais que ça. Et devinez quoi? Le temps de Dieu arrive, Dieu fait un miracle, le problème disparaît. Et à peine le problème a disparu, vous vous rendez compte que en fait, ce n'était pas le seul problème. C'était peut-être le problème le plus émouvant, le plus touchant, le plus troublant. Mais ce n'était qu'un problème parmi plusieurs autres petits problèmes qu'il y a dans ta vie. Et là, tu es comme, aïe, aïe, aïe. J'ai dit à Dieu que c'est la seule chose que je vais lui demander. J'ai maintenant honte de lui demander autre chose. Dieu va dire, ah, tu mentais. Donc, tu n'étais pas sérieux. Écoute, quand tu fais cette prière-là, Dieu sait déjà que tu ne sais pas de quoi tu parles. Il sait. Amen. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est blessé dans un accident. Il est blessé, il a des fractures. Mais il a une blessure béante où le sang coule. Devinez où il regarde. Juste la blessure béante. Il ne sait pas qu'il a des fractures dans le corps. Il n'en est pas encore conscient. Mais l'endroit qui paraît le plus gros, le plus douloureux, semble être l'endroit où il a besoin d'intervention le plus rapidement possible. Pourtant, non. L'endroit... Les endroits les plus dangereux sont les parties internes. Amen, ça c'est une infirmière, donc. Je parle. Les blessures les plus profondes sont les problèmes internes. Les problèmes les plus profonds sont les problèmes internes. Le Seigneur dit par exemple aux Juifs, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille le corps, mais c'est ce qui sort du cœur qui souille l'être humain. Les adultères, les mensonges, la méchanceté de notre cœur, ça nous souille plus que toutes les choses, les nourritures qui sont dites souillées qu'on peut manger. Amen. Les Juifs s'appuyaient toujours sur lave les mains, ne lave pas les mains, tu es souillé, tu n'es pas souillé, tu as touché ceci. Mais le Seigneur voulait leur faire comprendre que le vrai besoin que vous avez, c'est des dents. Je m'excuse. Le vrai besoin, le vrai défi que chacun de nous a est à l'intérieur de lui. Tu peux forcer deux enfants de faire la paix quand ils se chicanent, mais tu ne peux pas les forcer de s'aimer. Ils vont faire la paix parce que tu risques de les chicaner s'ils n'obéissent pas. Ils vont se faire un câlin et se dire, tu dis, dis-lui je te pardonne. Il dit, je te pardonne. C'est ce que tu lui as dit de dire. Son cœur ne le sent pas. Demande pardon à ton frère. Pardonne-moi. Avec le regard menaçant. Tu ne peux pas changer son cœur. Parce que le problème de cet enfant est dans son cœur. Amen. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui. Il y a plus que tout ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Vous savez, le plus grand malheur que nous pouvons avoir sur notre vie sur la terre, dans notre vie sur la terre, c'est de vivre comme tout le monde. Tous les matins, on se lève. On se dirige vers un emploi. On court après l'argent.
On prend on court après la solution à des problèmes. On court après telle bonne chose. Si on apprend qu'il y a, on distribue de la nourriture gratuite quelque part, on court vers cet endroit. On veut avoir de la nourriture gratuite. Si on apprend que si tu fais telle formation, tu auras toujours le boulot. On court après cette formation-là. Parce qu'on veut toujours avoir du boulot. Tout ce qui semble être la solution. Où semble être cette chose qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on n'avait jamais eue. On court après. Mais chaque fois, avez-vous remarqué que lorsqu'on atteint cette chose, subitement, il y a une vie. Chaque fois que tu atteins cette nouvelle chose que tu désirais, subitement, tu as l'impression que tu n'es nulle part. Mais quand tu n'avais pas cette chose semblait être la chose. Enfin, j'aurai telle chose et on verra que Dieu est vraiment avec moi. Les gens vont être touchés. Ça va toucher les gens qui sauront que Dieu est mon Dieu. Es-tu là? Et ça ne dit rien à personne. Et tu as l'impression que tu as prié et tu as jeûné. Pour rien. Parce que même si ça impressionnait tout le monde entier, nos accomplissements, nos bénédictions, nos miracles, nos maisons, nos voitures, l'argent qu'il y a dans notre compte bancaire, même si ça impressionne tout le monde, ça va les impressionner pour un petit moment. Après, ça ne dit plus rien à personne. Des fois, vous allez remarquer quelqu'un qui était très pauvre. Et il était au milieu des pauvres. Et tout le monde avait pitié de lui. Et subitement, la personne devient multimillionnaire. Et là, quand il annonce sa nouvelle au milieu de sa gang de pauvres, tout le monde est comme waouh! Et devinez quoi? Il va se construire un château au milieu des riches, là où personne ne dit waouh! Et subitement, au milieu des riches, il est peut-être le plus pauvre parmi les riches. Donc, la gloire qu'il avait, il l'avait au milieu des gens qui sont dans sa situation. Sauf que maintenant qu'il est dans une autre situation, il rentre dans le milieu des gens qui sont dans cette meilleure situation et il devient à nouveau monsieur personne. Ça n'impressionne personne. Quand tu chômais, tu trouvais le travail et les gens se moquaient de toi, se riaient de toi. Tu te dis, non Seigneur, il faut que j'aie un travail pour qu'on arrête de se moquer de moi. Tu as un travail, peut-être on ne se moque plus de toi parce que tu as le travail. Mais on se moque de toi pour autre chose, à cause de ta voiture. Depuis que tu as un travail, tu ne peux pas t'acheter une meilleure voiture. Et là, tu te dis, non Seigneur, il faut que tu me donnes une meilleure voiture pour qu'on arrête de se moquer de ma voiture. Et Dieu te donne ta nouvelle voiture. Et après, on se moque de ta façon de t'habiller. Non, Seigneur, il faut que je change ma façon de m'habiller. Et après, on se moque de tes chaussures. Non, Seigneur, je dois mettre... Non, Seigneur, les jours de ta vie passent. Ton temps passe. Tes années passent. Ta vie passe. Dis, oh non, Seigneur, il faut que moi aussi je sois un grand prédicateur de ta parole. Tu te bats, tu jeûnes, tu pries, tu te consacres à Dieu. Dieu t'élève. Tu arrives là. Et après, tu es prédicateur et plus quoi. Tu te rends compte que le tout n'est pas de prêcher aux gens, c'est de mettre en pratique ce que toi-même tu prêches. Et après, et là on dit qui veut gagner une âme pour Jésus. Tu lèves la main. Tu te bats, tu gagnes une personne au Seigneur, une deuxième personne au Seigneur. Et quand on demande qui a gagné une âme pour le Seigneur cette année, tu es fier de lever ta main. À la fin du service, personne ne se souvient de rien. Ça ne change rien à ta vie. Tu as les mêmes faiblesses, tu as les mêmes défauts, tu es le même toi, tu as les mêmes doutes quand tu as tes propres problèmes. Tu as peut-être la solution pour tout le monde,
Tu as peut-être la bonne prière pour tout le monde. Tu as peut-être la bonne façon d'intercéder pour tout le monde. Tu as peut-être le don des miracles. Et après quoi? Tu es peut-être pasteur d'une église de 2000 personnes. Et après quoi? Après, vous croyez que quand un pasteur a 10 000 membres dans son assemblée, il ne se sent pas seul? Il se sent très seul, des fois. Vous croyez que quand un pasteur répond aux problèmes de tout le monde, il ne se sent pas seul, des fois? Est-ce que vous savez que des fois, il a des problèmes, personne n'a la solution? Certains pasteurs pensent, je ne suis pas en train de parler contre des pasteurs, mais je parle des gens spirituels. Des gens qui pensent qu'en atteignant un certain accomplissement spirituel, ils vont être quelque chose. Je vais te dire une chose. Même quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu dis déjà quelque chose aux yeux de Dieu. Amen. Ce ne sont pas les accomplissements de la vie qui vont faire de toi quelque chose. C'est ce que Dieu dit que tu es. Que tu es et mérite d'être quelque chose, mérite d'être considéré. C'est le regard que Dieu a sur toi. C'est cet endroit où tu arrives, où quand Dieu te regarde, il peut dire entre dans la joie de ton maître, humble et fidèle serviteur. Ce n'est pas tout ce que tu as fait qui était grand, qui était puissant, qui était majestueux. Ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas ta bonne femme et tes bons enfants. Ce n'est pas ça qui fait de toi quelque chose. C'est l'idée même que Dieu a de toi. Je vais vous parler d'un homme dans la Bible. Il avait tout pour échouer et il a eu tout pour réussir. Et il a tout réussi, Moïse. Malgré le fait que Pharaon s'était levé pour décimer les bébés juifs, Dieu lui a fait trouver faveur alors qu'il n'était qu'un bébé. Sa mère l'a accouché, elle l'a caché. Et quand la situation devenait très délicate, elle a abandonné dans le fleuve, dans un panier. Et il s'est retrouvé à la table de Pharaon. La faveur de Dieu était tellement sur lui qu'on l'a renvoyé se faire nourrir par sa propre mère sans le savoir. Et après, il a grandi pendant les 40 ans de sa vie. Pendant tout le temps de sa vie, après le sevrage, donc plus d'une trentaine d'années, il mangeait à la